160e jam de l'histoire de ce jam-là. Ça fait déjà 8 ans qu'on fait ça les dimanches, que je n'ai pas de dimanche de congé l'après-midi. On vous en fait une petite dernière pour l'après-midi parce que là, je regarde le gros bleu là-bas, là, puis je me dis, bah, je pense que ça va nous forcer quand même bientôt à changer les plans. Ah ouais. Une demande spéciale à mon chum Maurice. C'est un slow, tu peux danser. Oh, you are sweet, smooth, smooth, smooth.
François Cossette, René Charles. Bref, moi, c'est Steph Daou. Merci d'avoir été là. Un excellent public. On aime ça quand vous soyez là. Surtout la gang des hippies en avant. Vous autres, vous êtes les meilleurs. Donc, on est là dimanche prochain avec de la musique. Le 27 août, on a un jam session. Mais en plus, il y a 4 heures, il y a la gang du Parti québécois qui vient de faire leur épluchette de blé d'Inde le 27. Donc, on fait une partie du jam, mais à 4 heures, on tombe en épluchette de blé d'Inde. Puis c'est moi et Normand Vanasse, qu'on va faire de la musique en français. Fait qu'on va être là pour quelques heures le 27 avec la gang du PQ. Après ça, on s'en va tranquillement vers Saint-Tite. Donc, durant le festival, le 8 septembre, il n'y a pas de jam ici, parce que moi, pas le 8, le 10 septembre, on n'a pas de jam ici, on est à Saint-Tite avec la gang. Ce que vous voyez ici, on s'en va en spectacle, mais en même temps, on l'amène là-bas. Ça va devenir pendant 9 jours de temps un jam à Saint-Tite, en haut de la terrasse Western, avec l'ancien IGA de la SAQ. Je vais être avec Patrice Leblanc, avec Norpierre Messier, Normand Vanasse et moi. Ça s'appelle le West House Band. Pendant 9 jours de temps, on va venir la Saveur Country. Et je vous laisse observer les éclairs là-bas. Et moi, je vais démonter mon stock. Bonne journée, merci.